du réseau national de défense des droits humains. Pierre-Espérance croit savoir que le présumé meurtrier aurait déjà quitté le pays et il demande aux autorités policières et judiciaires de prendre les mesures idoines en vue de mettre la main au collet du présumé assassin Pierre-Espérance. Oui, nous confinés avec les réseaux nous, dans le sud-est, depuis et samedi 29 et décembre, et côté que gagné un demi-frère et sénateur Lambert, nous parlons avec le président Sénat et sénateur Lambert qui confine avec nous, côté que gagné un chauffeur qui n'a mis et Jacques Mella. Attaqué demi-frère sénateur Lambert et il s'est mouru et Moussa qui fait attaque ça, il a sauvé quand même et il vient quitter le pays. Nous présentons sympathie nous, by sénateur avec toutes les familles et victimes. Nous espérons que Zaksa pape et impuni. Attaque ça, la façon de faire, la côté que pour nous prendre un couteau pour tchaquer le monde comme ça, et vraiment, c'est des actes révoltants. Et c'est par rapport avec impunité à captailler mandat dans la société noire. La vie nous est banalisée dans le pays et autorité pas porter aucune réponse. Vous parlez de Yves Stevenson Michel. Est-ce que dans les recherches par nous, c'est nos victimes de ça? Oui, c'est non ça. Bon, pas bien non ni sous-diamant. Les zones ont été confirmées et limoulées. Et sénateur, moi-même, parlé avec le sénateur Lambert jour dimanche 30 décembre 2018. Et pour lui confiner avec nous, dans la condition d'effroi et mourir. Et nous dit que le crime ne sera pas capable d'être impuni. Et les gens de crime ne sera pas capable d'être impuni dans la société. Et la vie de monde, c'est un droit qui est sacré. Autorité doit prendre toute disposition pour renforcer l'institution dans la chaîne pénale pour être capable de répondre à bandits pour. Ils sont capables de contrôler les bandits, mettre en prison pour les gens qui sont victimes dans la société. Vous pensez que les gens 62 ans? Oui, c'est là ça, que le sénateur a dit Manon et dit non. Et donc, c'est vraiment inacceptable. Voilà. Vous venez d'entendre Pierre Espérance, il est le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, le RNDDH. Les informations qui ont été communiquées par son réseau dans le département du Sud-Est. L'individu en question, le présumé meurtrier, aurait déjà quitté le pays, selon Pierre-Espérance que vous venez d'écouter. Nous avons en ligne le président du Sénat, Joseph Lambert. Sénateur Lambert, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tous les radio et les haïtiens. Et son occasion pour moi, même dans un moment un peu difficile que nous traversons ces derniers temps, pour nous souhaiter, nous, même en retard, un joyeux Noël qui passait déjà, mais bien sûr, on a une année qui est plus bon que l'année nous sommes vivre là, qui c'est l'année 2019. Merci, sénateur Lambert. Ou même aujourd'hui, on va vivre une situation difficile. Yves Stevenson et Michel, et qui mourit, assassiné et samedi, ou confirmé ces demi-foyers, effectivement? Oui, André Steven, c'est demi-foyer, moi, effectivement. Et d'ailleurs, il y a même qu'on a pris de lui. Il n'est pas de même maman ensemble avec nous, mais il est de même papa ensemble avec nous. Et c'est un ancien footballeur dans la génération PAM, dans la génération Edouard Baumier, et surtout dans la sélection interrégionale. Jacques Mel a brillé sérieusement, toujours joué latéral droit, déconnu plus, surtout sous le nom de Piti. Monsieur, tant qu'on nous tous connaît,
poignardé de dos, hein, d'après procès verbal juge de paix et enquête de proximité que le témoin des poignardés de dos et de recevoir 5 coups de couteau. Et non, c'est dans un bar qui collait avec Kay côté l'habité, qui c'est Kay un bon amené. Et monsieur était dans le bar là et semble que on échange ensemble avec bonhomme ça que relait Gentilla. Gentilla son monde le plus souvent ouais sous volant machine mairie Jacques Mel là et de plus le plus souvent les compte conduit pour Mérès adjointe là qui c'est Lodi César. Et est-ce que ac que lui faire à lui poser nous capable imputer lui à Mérès là loin de là parce que son individu qui pose un ac personnel, même ça qu'a dit à prémédité, parce que après échange de mots que j'ai gagné ensemble avec Pétillon, je retournais les difficultés là venir, là les lacailles, semble-t-il, et puis je retournais avec un couteau et de dos, puis poignardé Pétillon. Alors, là, je devais pour toute bagaille paraître clair. C'est que, un, nous pas qu'à dire c'est la mairie ou bien magistrat qui a la base de assassinat, de son acte gentil à lui-même, comme monde, comme individu, y poser. Un fait est certain, c'est que du travail dans la mairie, et le plus souvent, il conduit. Et c'est tout le monde, Jacques Mel, même dit que c'est chauffeur principal, et il y a un chauffeur principal, mairie Jacques Mel, là, mais qui est attaché au service. Maire adjoint Lodi César. Mmh. Voilà, en gros, c'est ça que nous avons dit. Mais ou magistrat que nous avons parlé avec tout à l'heure, là, m'a quitté ça, pas en mesure pour le débat nous non complet et gentil, hein, ou même ou connaît? Bon, il est connu sous le nom de Gentilla. Mmh. Et ça a étonné, mais encore une fois, et, le maire de Jacques Mel m'a quitté ça, n'arrête pas de nous surprendre. Et pour lui dire pas même en mesure pour le bail non maintenant, alors que pendant toute campagne électorale là, ensemble avec toute équipe là, ensuite après campagne électorale 2015 là, il a affecté à Mérion, et il s'est chauffeur, il y a un chauffeur principal Mérion, lorsque le magistrat, encore une fois, dit pas même qu'on est bon nom Dieu, c'est encore une preuve de tolérance par des autorités de monde qui a commis acte criminel ou bien des bandits qui a fait des bagailles qui passent. Alors, je crois que c'est impératif pour que on soit pour toutes bagailles salissent pas et que faut que tout le monde, dans le niveau courrier, continue à mener bataille contre bandits, contre gangs, contre criminels et pas tolérer, même dans sain ou pas, que c'est utile ou pas, que c'est partisan ou pas, il ne faut pas négliger une seule fois pour dénoncer, pour que une fois pour toutes, attitude et comportement criminel à partir de AXA, que Zami, ça lui-même n'y pose, eh bien, il faut qu'au moins tout le monde réprime et tout le monde condamne. Et c'est ça que nous dit, on a demandé la police, on a demandé tout le monde en général et pour y être vigilant. Pour quel que soit côté que Ottawa, monsieur, puis était capable de dénoncer. Mm-hmm. Nous connaissons que monsieur a fait le fin de commettre crime dans monsieur tout à l'heure. Et il a remarqué monsieur très tôt le matin, a sorti dans la zone les Tamboursiers, sous la zone Caille-Jacques Mel, et après il disparaît de circulation. En pire rumeur, a circulé de qui côté monsieur y est, qui côté monsieur Paillé. Moi, je ne me fie pas aux rumeurs. Je me fais que contenter de condamner Zaksa et demander tout citoyen haïtien combattre avec la plus grande rigueur et ça que nous t'accarrelé et acte criminel ou bien banditisme que on monte à un niveau ou bien à un autre à commettre en d'un pays. Mon combat contre la criminalité, mon combat contre le banditisme, mon combat contre toute ça qui gagne armée ou pas
semé trop deuil et autres, etc., la caille famille, eh bien, son combat incessant est lié et son combat qui doit joindre écho favorable au côté population. Joseph Lambert vous dit que il faut aller recevoir 7 coups de couteau dans le bar là. Je suppose que tu as gagné l'autre monde tout. Papa n'a pas gagné aucun monde et dans la salle là qui te font intervention même. Tu as gagné un monde qui est chef bar là. D'après le procès verbal juge de paix, il dit les témoins Zach ça qui posé là. Il y a plusieurs, il y a deux, trois autres monde encore qui étaient là, qui étaient ouais. C'est eux-mêmes, ces déclarations qui sont consignées par le juge de paix. Et c'est, ça s'est passé à la rue Normande, en bas, pour M. Rélé Wilson Tan. Et Yves Stevenson Michel a mouru à l'hôpital, c'est ça? Il est mouru en cours de route, et d'après informations que nous avons. Parce que c'est là que ça a fini, et puis M. pourri. D'ailleurs, l'homme, M. Balfaire, Zakla, de dos, il y a un monde, d'après le rapport juge de paix, après ça, c'est pas juge de paix qui dit, passez la gueule comme ça, mon cher, passez la gueule, soit là. Et puis, M. n'a pas hésité, il fait, dans le comme d'Acadio, son acte prémédité à l'arme blanche, d'ailleurs, il est allé là, il est allé chercher couteau, ou bien poignard, là, il est retourné, et il poignardé l'autre là, de dos, et l'autre finit tomber. Il a fait tomber, et bien, monsieur, monté sous lui encore, il va aller deux coups de poignard dans le cœur. Et tant qu'on a constaté, et tache de sang dans maillot blanc, que petit est poté. Alors, et tout, pour ça faire la juge de paix, il est là, et son élément capable, nous capable de produire par devant les tribunaux, même à dire tout le monde, quel que soit coup, aucune agression physique sous lui, c'est pour le chercher de préférence et maîtriser monsieur et puis pour le capable de permettre que monsieur vienne devant un tribunal pour un juge tendel et s'il y a lieu que les condamnés et les condamnés, le sang pour monsieur jugé peine, j'en peux la loi mandel, mais la justice expéditive tant qu'au pour avoir revanche sur mon, tuer mon, et autres, etc. Et bien, moi-même, tu m'as condamné parce que son lot pas criminel que la pire encore. Et permettre que la justice joue un rôle et que chaque citoyen haïtien, à quelque niveau, où il est, et bien, on connaît que l'opposé ont acte contraire avec la loi en vigueur dans le pays, et bien, ou gagner ou passible de peine que la loi fixe pour. Deux questions pour nous faire refermer entre vous. Et quel âge Yves Stevenson Michel de Gain? Il a 62 ans. 62 ans. Est-ce que deux messieurs ont eu des problèmes avant les disputes qui étaient faites dans le bar? Honnêtement, pour moi, je dis ça. Je ne sais pas qu'on ait eu une dispute. Si vous avez eu un échange. Si vous avez eu un précédent tout. Ou qu'on est là, on a constaté posé, il y a une parole qui a dit, des fois qui est vrai, bien il faut. Moi-même, j'avais fait débat et vraiment sous lui, sauf que moi, qu'on est que l'incident qui produit, il produit dans le niveau bas là, et pas de gain, bon, ça que moi, pas de gain bagarre. Et c'est seulement un échange de mots d'après pour ce verbal juge de paix. Et monsieur allait la caille et c'est après qu'il l'a retourné, il l'a retourné de dos les poignards. Et sont à prémédité et ceci de sang-froid. Ça veut dire que monsieur gagne même un instinct criminel. Ça veut dire que monsieur est capable de tuer n'importe qui monde de sang-froid. Et ceci, on a de l'acheter parce que les poignardent de dos. Merci, président Lambert. Merci beaucoup. Voilà. Et...